Alors, chose importante, en hiver, les ânes, pour garder leur température, pour ne pas avoir froid, ont besoin impérativement de grignoter toute la journée. Donc déjà, j'augmente la ration de 30%. Dès qu'on arrive dans les moins 25, moins 30, 30%. Alors, je donne le foin au moins en 3 fois, le matin de bonne heure. Après, je veille à ce que dans la matinée, ils aient toujours un peu de quoi grignoter. Vers midi, 1h, je remets une ration. Le soir, juste avant de la tombée de la nuit, je leur remets une petite ration. Donc je fractionne le foin en 3 fois minimum. Des fois, c'est en 4 fois quand il fait très froid pour qu'il ne manque jamais. Et puis après, quand arrive la nuit, là, je remets de la paille pour qu'ils aient de la paille à grignoter toute la nuit à volonté. Donc je veille toujours bien à ce que la nuit, s'ils ont une petite faim, ils puissent grignoter de la paille. C'est étonnant hein, parce que quand on vient les voir la nuit, là, déjà, ils ne sont pas forcément dans l'abri. Souvent, ils sont dehors, à regarder les étoiles et la lune, ceux des poètes. Et ils grignotent. Ils viennent, ils mangent. Alors, ils mangent de la paille et tout. Alors, par contre, la nuit, par sécurité, je ferme la porte, ce qui leur permet d'aller au bois, de manière à les obliger à rester ici pour s'abriter du vent, des intempéries et tout le reste, parce que d'eux-mêmes, ils préfèrent être dehors que dedans, c'est assez étrange. Vraiment, quand ils sont dedans, là, c'est que les conditions climatiques sont vraiment pas bonnes. Généralement, quand il fait très très froid, ils sont dedans. Quand il y a du vent, ils sont dedans. Et quand il y a du verglas, je les enferme. Je les laisse pas dehors s'il y a du verglas.